frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Nous réunis maintenant pour nous bailler, Seigneur, nous rend honneur, louange que lui-même seul méritait. En dépit de toute mauvaise nouvelle, de toute difficulté, notre Dieu règne encore et jamais son amour ne s'endort. Épidémie ça, coronavirus ça, qui pendant m'en parler a fait ravage dans le monde là, il forçait que nous pas capables de réunir en assemblée matin. Mais heureusement, l'église Jésus a, c'est pas quatre murs qui est belle. Quand on y est la caillou, quand on réunit ensemble avec famille, m'a bien vite vous joindre ensemble avec nous, pendant que nous allons offrir Seigneur un service spécial. À nous chanter ensemble. Le monde qui pourra le diriger en service, c'est notre bien-aimé sœur Alexandra Jacques, avec Worship Team. À nous tous chanter ensemble. Prends chant, prends bibou, relayons amis. À nous ensemble adorer le Seigneur. Sans tarder, nous demandons sœur Alexandra pour nous prendre le microphone, pour nous commencer le service ou bien continuer avec le service avec nous, sœur Alexandra. Merci, pasteur. Oui, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, dit l'Écriture. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Grâce, bon Dieu, à mes frères et sœurs, moi, comme pasteur a déjà dit, nous allons aller chanter ensemble dans le numéro 8 français de Chant d'Espérance. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux.
sur lui. Partout où qu'elle est, il est toujours là. Maintenant, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans le psaume 91 en créole. Pendant que on prend Bibo, on a invité le frère Wilfried Raymond qui va passer pour faire la lecture de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Psaume 91. Moun qui cherche protection bon côté bon Dieu qui en haut dans le ciel là, moun qui rete caché en bazel bon Dieu qui gagne tout pouvoir, car dit Seigneur, c'est où qui toute défense moi, c'est où qui toute protection moi, ou c'est bon Dieu moi, c'est dans où moi mettez toute confiance moi. C'est lui-même qui pas quitté ou prend dans Berlin, qui pas quitté maladie qui pour tout y est ou tombé sous la couvre ou en baselle. En rien pas privé ou côté ou caché. La toujours kembe parole li. C'est ça qui protection ou, c'est ça qui défense ou. Ou pas besoin de bagay kap fè moun pè l'ennui. Ni ke ou pas besoin cassé pour malheur qu'a privé ou la journée. Ou pas besoin de mauvais maladie qu'a tombé sous monde dans mitan la nuit. Ni épidémie qu'a touyé monde go midi. Mille monde te met tombé sous bord gauchou. 10,000 sous bord droitou. On y est pas privé ou. Ou a prêté comme ça. Ou a gardé. Wawe, j'en y a bay méchant yo, ça yo mérité. Parce que ou prend Seigneur pour défense ou, parce que ou prend bon Dieu qui en haut dans le ciel là, pour protection ou, aucun mal pas privé ou, aucun méchant pas capoché bon côté caillou. Bon Dieu a passé ses anges li au Lord pour yo veiller sur vous. Pour yon protéger ou côté ou passé. Y'a poté ou nan men yon. Pour ou pas casser zotey pi ou sou aucun wash. Ou ap marcher sou lion ak sou serpent. Ou ap krasé gentil lion yon ak escorpion yon en bas pied ou. Bon Dieu dit, m'ap sauvé moun ki renmen mwen. M'a protégé moun qui connaît moi. Lèl relèm m'a répondu. Lèl l'entraille m'a là avec lui. M'a délivré, m'a fait yo respecter. M'a fait vivre longtemps. M'a fait ouais, j'en m'a délivré. Notre Dieu règne encore. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Les forces et les chaînes de nos cœurs sont en peine, les yeux nous conduisent juste au bord. Dieu règne encore. Et ça fait, nous n'avons pas besoin de paix, nous n'avons pas besoin de crainte. Maintenant, nous pouvons aller devant le trône, nous pouvons prier Seigneur, nous pouvons dire Seigneur, bah nos forces, bah nos courage, parce que ça n'a si bien là, c'est même celle qui est capable. 98 créoles du recueil des chants d'espérance, nous pas besoin de paix. Thank you.
quitter nous, pour nous baisser tête nous, pendant nous avec famille nous, qui aimons nous l'autre, pendant que nous prenons devant trône grâce, bon Dieu, dans la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, maintenant nous remercions pour le privilège qu'au bon nom, nous avons dans la présence. Et merci parce qu'on a accepté nous à travers le petit roi Jésus-Christ, lui-même qui t'a déchiré voir le temple qui bat nous accès dans la présence. Maintenant nous venons, j'en nous à nous conscients de toute faute nous, de tout péché nous, nous demandons pardon. Car c'est vous qui dites dans la parole, si nous confessons péché nous, vous fidèles et vous justes, pour pardonner nous et purifier nous de toute iniquité. Maintenant nous tous, nous baissons tête devant vous, nous demandons pardon. Nous remercions parce que c'est bon Dieu, nous réalisons ça. Parce que je vous dis, tout le monde a tremblé. Je dis à pas une grande nation, pas une petite nation, pas une grande, pas une malheureux, pas un savant, pas un non savant. Nous tous nous réaliser, c'est vous-même seul qui bon Dieu. Seigneur, nous couper devant. Et nous demandons pour aider nous chaque jour, pour nous humilier nous devant, parce qu'après vous, pas un autre. Pendant que nous avons un moment de crise, nous vivons ensemble. Nous demandons pour continuer, jeter grâce sur chacun de nous. Nous prions au Seigneur pour chaque petit ouyo qui réunit avec nous dans le moment ça. Nous demandons grâce spéciale. Nous sommes chantés, nous n'avons pas besoin de crainte ni peur. Parce que nous prenons soin de nous. Seul ça nous besoin de faire, c'est garder hier, garder avant hier, garder moi avant, année avant, quand on saute avec nous pour arriver côté nous hier. Seigneur, au fidèle. Délivrance nous connaissons dans la fidélité ou c'est dans la bonté. Continuez à agir en faveur de nous. Pendant le Seigneur, si il y a un nom qui t'a troublé, aidez-nous pour nous rassurer nous dans où. Parce que là, on a quand notre nom, nous pas besoin de peu tempête. Ça va veut dire tempête pas pleuvoir. Maintenant, quand notre courrier, quand notre ça pas qu'à chavirer, parce qu'on la donne. Pendant le Seigneur, si il y a un nom qui t'a observé ou. Parce que nous avons l'autre monde à faire. Tant sérieux. Aidez-nous, Seigneur, pour nous connaître et sincères dans la relation nous avec nous. Prions pour ça, Seigneur, qui est seulement numériquement membre de l'Église. Permettre que le Seigneur accepte que vous venez des membres authentiques. Côté nous tous, nous va servir. Quand on a vivre dans le dernier temps, aidez-nous à réaliser ça. Pour nous vivre, Seigneur, à la lumière de ta parole. Pendant que nous prions pour nous prions pour l'autorité qui est pour prendre des décisions. Nous connaissons un moment, côté que nous avons en pile émotion, décision n'est pas toujours bien prise. Nous demandons pour avoir une sagesse, autorité qui a dirigé Seigneur dans le pays qui vive, dans l'État qui vive, et dans le monde entier, pour une sagesse. Pour une sagesse que nous connaissons. Parce que le monde n'a pas faire rien droit si ce n'est pas vous-même qui guidez lui. Et prie au Seigneur pour que maintenant que vous cherchez. Et vous dites tout le monde qui cherche ou qui rejoint nous. Prie aux scientifiques qui a travaillé pour rejoindre médicaments. Guidez au Seigneur. Guidez-vous pour qu'il rejoigne des médicaments qui vous aider dans la situation. Donc on est un jour ça qui en pile dans nous qui fait face avec des problèmes économiques. Merci parce que c'est Dieu qui pourvoira besoin de petit ouïe. Et pitié de nous pourvoira besoin de nous. Nous remettons nos mains. Et pitié de nous. Béni service. Permettre que le Seigneur il va encourager nous. Mais en plus que tout, il va avoir la gloire que vous-même seul méritez. Nous avons une autre chose que nous demandons. Mais nous ne connaissons pas en ville parole qui va le faire exaucer. Nous sommes à ça qui est malade. Nous avons de toucher. Mais peut-être qu'il est en touché par maladie. Mais on connaît délivrance aussi dans le rouille. Et l'autre qui est en malade déjà, j'étais au café avec son nom. Mais en plus que tout, brouillons pour que je joue ça, joue difficile ça. Café nous vient joindre pour nous servir tout bon. Bénis l'église, bénis, bénis toute l'église. J'étais grâce au son nom. Nous ne pouvons pas dire plus ce matin. Mais prière nous fait avec pardon péché. Non. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Ô l'Éternel, moins compté.
Seigneur. Merci, nous capables chita. Quand il y a le bois, attendez la sœur Karine Paul. C'est lui-même qui pourra aller chanter pour bâiller bon Dieu gloire et béni nomme nous. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Dieu. Amen.
Moi, avant nous réjouir nous, même dans un moment difficile, ça, yo, parce que notre Dieu règne encore. Je vais faire une annonce, et je souhaite juste avant les annonces, je souhaite tout le monde bienvenue pour nous ensemble matin. Ou même qui est branché, qui a écouté nous à travers YouTube, WhatsApp, à travers Facebook, etc. On a n'importe quel moyen pour écouter nous. Nous comptons qu'on a joué ensemble avec nous pour nous adorer, Seigneur. Nous. Parce que il est vivant pour toujours. L'église Pénie, elle n'est pas fermée. Parce que l'église n'a pas barré dans quatre murs. L'église là, c'est vous-même, c'est moi-même. Pour trouver la caillou, c'est l'église qui a continué. Et m'a encouragé nous pour nous continuer. Pour vous-même qui a suivi, qui peut-être pas membre de l'église là, non, l'église là, c'est Peniel Haitian Baptist Church of Lake Worth. Peniel Haitian Baptist Church of Lake Worth. Nous situons dans l'adresse ça. 2000 Nord des Suites de la David. David Day Street. Lake Worth, Florida. En parlant en anglais, 2000 North D Street, Lake Worth, Florida, 33460. C'est l'adresse de l'église là. L'église est dirigée par deux pasteurs, pasteur Pierre-Agneau Georges, qui moi-même serviteur, et pasteur Sergo Vertus, qui dans un moment va aller pour méditer ensemble avec vous. Vous pouvez contacter nous dans l'adresse que nous sommes bas. 2009 D Street, Lake Worth. Ou bien un email ça, ou qu'a écrit nous. On est content de communiquer ensemble avec vous. Email là, c'est www.phbclakeworth.com. www.phbclakeworth.com. Ou qu'a contacter nous comme ça. Et nous sommes contents pour que nous soyons capables de lier connaissance et pour nous capables de parler. Je vais vous annoncer, il y a très simple et rapide. Je demande nous, comme frères et sœurs, à nous rester ensemble. À nous prier l'un pour l'autre, à nous veiller l'un sur l'autre. Si un monde est en difficulté, je parle à Peniel. Si un monde est un frère dans Peniel ou un seul dans Peniel qui est en difficulté, faites tout de suite. Fais pastorat comme ça, fais diaconat comme ça. Nous là pour nous servir. D'après vous, nous faisons tout ça qui dépend de nous pour nous capables d'assister. Nous disons ça. Nous faisons, mais nous ensemble, nous allons accomplir de grandes choses. Arrêtez à craquer pour vous. Mettez-nous au courant. Nous prions pour vous. Nous allons assister dans mes yeux que nous sommes capables. L'autre annonce, nous continuons à suivre l'autre gouvernement. Parce que bon Dieu, mettez-vous pour guider nous. Nous allons coopérer avec vous. Tout autant que. C'est par contre la volonté de Dieu. Ils ont suivi enseignement que Baou met-il en pratique. Ma répéter encore l'église là pas fermée. Nous toujours un service nous qui prend place. Mais fois ça la prendre la façon ça. Mais qu'il dit m'a encourager nous chaque famille si gagne qui pas branché fait yo connaît 7h ou 8h. Chaque on a prévenu en famille la caillou. Et m'a encourager pour papa, maman, petite non qu'embé main yon l'autre. Pour nous prier, bon Dieu, non seulement pour famille, non, mais pour chaque famille dans l'église, là, chaque famille dans le pays, là, chaque famille sur la terre, parce que c'est une catastrophe qui a attaqué le monde. Là. Les gens de la guerre, les soldats pas courir, mais les soldats réarrangés pour qu'ils gens soient capables de gagner une bataille. Là. Et nous-mêmes, gens voulons nous arranger nous avec moi, c'est sous genoux, nous, pour nous prier, pour nous rester ensemble. Dimanche prochain à 10h du matin, on met en l'autre service encore pour capable adorer, continuer à adorer le Seigneur ensemble avec elle. Ma pays annoncé que il y a un census ou bien recensement que le pays a fait chaque 10 ans. Le pays a compté le monde qui l'a donné. Et m'a demandé chaque frère haïtien, chaque membre pédiel qui a coûté, m'a demandé pour participer. Pas gagné, même le que papio yo poko fin ajusté, ou capable parce que ça n'a pas rapport avec l'immigration. Pas bando pour fil papier sa yo, parce que la utile pour que le gouvernement fédéral là capable de distribuer l'argent
dans toute communauté de New York, pour tout le monde qui est à l'école, pour la police qui a veillé nous, pour son recadre en vie bien. Ils ont espéré que nous tous nous coopérons dans ça. N'importe l'autre annonce, je vais faire une autre très prochainement. Quand nous arrivons dans l'air, nous remercions aux frères. Qui j'en aurait fait ça? Je vais expliquer bien clair. Pendant que nous réunions ensemble, nous avons prié, nous avons chanté, pas vrai? Quand nous arrivons, nous avons remercié aux frères. Je vais demander à chaque famille qui réunit. Nous tous connaissons, nous avons une grande responsabilité avec la place pour le Seigneur dans nous. Pendant que l'autre activité n'a pas travaillé, mais Bill a toujours travaillé. Je vais demander pour nous mettre ensemble. À chaque famille, la Bible dit ça, mettez ensemble, Jean le Seigneur t'est béni. Immédiatement, vous mettez ensemble. Je vais vous donner un moyen pour gagner. Nous avons adressé l'église à Kito Tausen, nous avons entré dans le guide. Nous avons une grosse boîte où nous avons déposé là-dedans. Nous n'avons pas de yol, pas besoin d'ouvrir. Nous avons déposé là, c'est la clé que le monde a bien accès pour être capable de rentrer là-dedans. Disons, je peux espérer qu'on fait ça. C'est un moyen. Dans l'autre moyen, qu'on peut faire ça encore, on peut capable de briller un comité à finance. Là. Donc, un comité qui a géré affaires finance l'église. Là. Et ma bon téléphone tout à l'heure qui est Jean qu'on capable de joindre un comité. Ça. Et puis, il y a un baroulot d'instruction. Si vous n'avez pas qu'à déplacer, il y a beaucoup de monde qui vient chercher. Lui. Et si toutefois que vous avez l'autre moyen, mes téléphones que vous avez, 561-644-91-16. 561-644-91-16. Donc, il y a un comité financement et là, vous exactement ça pour faire. Quel est l'autre moyen? Si toutefois vous voulez contribuer par Credit Card, alors il est. Il y a exactement un temps là qui a fait ça. Il y a cash app dans l'église là, il y a pas toute explication. Et ça permet que tout le monde est prêt pour faire, c'est pour nous continuer, servir bon Dieu ensemble, continuer à être ensemble et continuer à contribuer ensemble pour avancement. Storm, cyclone, pas y'a là pour tout le temps. Ça va être passé, il n'y a pas là pour tout le temps. Il peut aller. Après l'autre jour, quand vini, le soleil a levé bien clair. Mais pendant qu'on ne peut pas lever, on ne peut pas tuer tête. On ne songe que bon Dieu nous a prédit. Et c'est lui qui a tout contrôle. Et nous, c'est petit. Il promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On est ensemble. Que le Seigneur a béni nous. On nous communique une à l'autre. On est ensemble. Que bon Dieu béni. Merci, pasteur, pour les annonces. Avant que nous approchions pour le message de la parole, nous allons chanter une nacelle en silence. Vogue sur un lac d'azur. Dans le chant d'espérance, ou dans le numéro 129, français du recueil des chants d'espérance. 129, français du recueil des chants d'espérance. Une nacelle en silence. Yeah.
Frères et sœurs dans le Seigneur, nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Nous remercions, bon Dieu, pour l'opportunité que le banon matin hein, pour adresser vous dans une occasion spéciale. Dans une occasion que nous avons caractérisé même de nostalgique, parce qu'il y a un pile que nous n'avons pas devant nous là. En même temps, c'est une occasion qui est vraiment sérieuse. C'est une occasion pour nous resserrer les rangs. Nous espérons que matin, hein, parole bon Dieu, confirme pour vous, capable de porter la joie dans le cœur, capable de porter encouragement et capable de porter force pour vous. Et c'est ça que je m'avais invité au matin, hein, pour ouvrir Bible avec moi. Pour nous capables de faire lecture, parole, bon Dieu, que nous joignons dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Nous lisons ça pour vous. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui dit, grâce, c'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les dix, n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-ils trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Prions Dieu. Père Saint, Dieu éternel tout puissant, nous remercions pour parole. Les nous décourager, nous besoin de force. Les fois, nos petits, nous besoin de la foi. Nos besoins, nous besoin de tourner vers la parole. Parce que la parole, c'est tout pour nous. Et c'est ça que nous faisons dans le moment. Ça. Nous sommes capables de bénir tout ça, Seigneur. Que nous va par touchement cet esprit, communiquer à peu pour matin, qu'à côté nous là, et qu'à côté nous la caille, afin que Seigneur, ça que nous avons besoin, nous capable de joindre à travers le message au matin. Nous demandons pardon pour péché nous. C'est comme ça que nous prions dans notre petit Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.
travers l'histoire, femme avec ce bio, il y a toujours des événements. Et, on peut dire des événements qui paraissent tragiques. Même si ça vit, je dis, il y a. Des événements inquiétants. Maintenant, nous allons remonter l'histoire avec vous jusqu'au temps de Jésus. Pour parler où de la rencontre de Jésus avec 10 lépreux. Comme vous entendez dans les tuyaux, Jésus te fait rencontre avec 10 lépreux. Pendant qu'il t'a parlé à Jérusalem, il t'a passé entre Samarie et la Galilée. Il t'a rencontré avec 10 lépreux saillants. Mais qu'est-ce que nous parlons tout de suite concernant la lèpre? La lèpre, c'était une maladie contagieuse qu'il dit. Il était transmis par des gouttelettes de personne à personne. Même je nous entends des choses dire. Coronavirus, là, il transmet par gouttelettes. Moun pas capable de prêter moun. Vous obligez qu'il y ait une distance. Faut nous dire que la lèpre, son maladie, qui te fait un pile ravage. C'est une pandémie qui était globale. Mais qui nous parle de qui ça? Les plats faits. Les pour eux, ils te à la quarantaine. Je dis à nous entendre que ils mettent les gens à la quatorzaine. Je te comme mettre les lépreux à la quarantaine. Et je te besoin pour être capable de gagner une cloche sous eux, pour être capable d'annoncer les passants que il a fini. Et nous jeunes que les lépreux pas capable d'aller dans le temple pour y aller adorer. Je te besoin de rester la caillou parce que vous n'êtes pas pur. Et les points dont il est question ici, vous êtes des Samaritains. Ce qui est encore plus grave parce que c'est une société juive qui te mettait à l'index. Vous n'êtes pas considéré pur. Je ne prends pas de contact avec eux. So, dis les pour ça, qui t'ont rencontré avec Jésus-Christ, ils étaient samaritains. Et ils étaient malades en même temps de la lèpre. C'est une situation tragique. Mais pour nous dire matin, le sujet que nous avons traité ensemble avec vous, c'est Jésus qui a fait l'encore. Amen. Jésus capable de faire l'encore, frère Axel. Oui, il est capable de faire. Nous faisons quelques observations à travers le texte. Nous sommes libres là. Et nous allons partager l'observation avec vous. Premièrement, là, nous regardons dans verset 12 là. Qui ça que dit nous? Il dit nous que les poéos ont été à distance.
yo te rete à distance. Première observation, c'est que les lépreux étaient conscients de leur état. Ils sont conscients de l'état. Si vous ne connaissez pas que vous êtes malade, vous n'avez pas de guérison. Vous êtes conscient que vous êtes malade. Et c'est ça qu'il faut qu'on soit capable de chercher bon Dieu dans la prière. Les lépreux, ils ont gardé distance. Parce que c'est comme ça que vous devez agir. Nous voyons que vous avez assumé responsabilité. Assumé responsabilité. Et c'est ça que je voulais attirer l'attention au matin. C'est que moi-même, avec moi, en tant que chrétien, dans la conjoncture que nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin d'assumer responsabilité. Nous donnons un peu de parole quand nous parlons de Yahweh. Je dis que la maladie n'a pas entré sur les chrétiens. Je dis un tas de choses. Nous avons fait imprudence de Yahweh. Là, on dit, moun pa assemblé ensemble, yo fait ça. Parce que Dieu, bagay ça, il pas frappé moun noir. C'est blanc seulement li frappé. Mais qui te dit, frère Maxwell, yo, pas quoi causer ça, yo. Nous besoin conscient. Nous besoin entendre instruction, docteur, yo, banon. Instruction gouvernement à bail. Parce que, en tant que chrétien, nous besoin responsable. Nous besoin responsable. Parce que, qui te m'a dit aujourd'hui, nous vivons l'autre réalité. Le monde, pas de gens, même gens encore. Société, pas de gens, même gens encore. Économie, pas de gens, même gens encore. Et comme Américain dit, this is the new normal. So nous besoin de conscience. Prends conscience, respecter les instructions. Faut nous respecter. Les dix lépreux, ils ont été à distance. Même Jean, matin, nous à distance. Nous pas comme ça. Mais nous chaque petit nous à distance. Ou besoin faire quand on passe. Parce que nous c'est chrétiens. Nous sommes un modèle pour le monde là. Et nous avons besoin d'agir de façon responsable. L'autre observation que nous faisons, c'est dans verset 13 là. Nous jouons que les lépreux ont crié à Jésus. Et ont dit lui, Jésus, maître, aie pitié de nous. Aie pitié pour nous. So nous voyons que nous faisons appel à la compassion de Jésus. La compassion. Jésus, aie compassion pour nous. Parce que vous avez fait appel à la compassion de Jésus. Nous vivons un moment, frère Maxemio, côté que nous avons besoin d'extérioriser ça dans quoi. La compassion,
c'est la marque du chrétien. Si Jésus n'a pas de compassion pour nous, il n'est pas venu pour mourir pour nous. Et dans la situation que nous y est aujourd'hui, nous devons exercer la compassion l'un pour l'autre. Qui veut dire, l'arrivée dans une maquette aujourd'hui, vous jouez le monde à goumé, mais chrétien n'est pas dans goumé. Si vous êtes arrivé à jouer nous balayer sur l'étagère, c'était trois qui étaient arrêtés, vous prenez tous les trois. Mais pendant que vous marchez, où est le monde qui a cherché pas qu'à jouer? Vous avez trois dans le monde pour mettre dans la machine. C'est le moment pour faire un acte de générosité. C'est le moment pour faire un acte de compassion pour dire, ok, prends une dans le monde. Ou quand il y a un seul, ou bien deux, à ça pas gagné. C'est un moment côté que vous voyez un bon voisin ou non. Pour voir qu'il y a une situation liée. S'il a besoin pour capable aller en aide à lui-même. C'est un moment de compassion. Un moment de générosité. Un moment qu'est sensible que nous sommes capables de dire en bon créole là. Pour nous gagner qu'est sensible, une pour l'autre. C'est vraiment écœurant. Je regarde la télévision pour me côté que deux filles à boumé pour un bagaille que je viens sous chef là, je vais pas montrer bien saleté, tout dépend à la fois mille. Une a boumé avec l'autre. À bas l'autre coup. Nous espérons que chrétiens pas agir comme ça. Nous avons besoin de gagner compassion. Jésus a gagné compassion pour les dix lépreux. Et nous avons servi le Seigneur moi-même avec vous. Nous avons besoin de sembler avec lui dans le comportement. Nous. Comme nous disons, nous vivons dans l'autre monde aujourd'hui. Et nous avons besoin vraiment ajuster nous. Nous besoin adapter nous à ce que vivre là-dedans. Il y a compassion l'un pour l'autre. Parce que c'est ça Jésus m'a dit nous. C'est ça Bible là lui enseigne nous. L'autre observation que nous faisons dans le texte là, encore c'est dans verset 14 là. Côté que nous voyons que Jésus te dit aux lépreux, allez, allez faire sacrificateur à Ouénon. Allez, allez faire sacrificateur à Ouénon. Ça nous besoin de songer, nous besoin de songer que lépreux n'ont pas prêt avec Jésus. Il dit, allez. Et la Bible dit nous, même les assaïs ont fait, y aller. Moi-même avec aujourd'hui, nous avons des questions que nous avons posées aujourd'hui. Surtout pour Haïtiens. Nous avons posé des questions. Allez, mais qui gens? Tout d'abord, on connaît que je ne vais pas côté sacrificateur parce qu'on connaît, je ne pas. Et d'après la loi, je ne suis pas capable d'aller dans le temple pour mal jouer parce que malade. Ou besoin de guérir avant pour m'aller, pas vrai? Faut guérison en fait avant. Mais ça nous ouais. Les pour eux pas poser question. Je pas de poser question. Y aller. Y aller sans poser question. Ça c'est la preuve de la foi. Il n'a pas posé question. Et il est allé. Et c'est en route, il a découvert que il a guéri. Je dis à moi avec vous,
Il y a un pile monde dehors qui a posé question. Qui a dit côté bon Dieu. Pour qui ça fait pas faire telle ou telle chose comme ça. Un pile monde a questionné la foi jodi a. Un pile monde a questionné Jésus jodi a. Qui te me dit où? Jésus qui a fait l'accord. Il était guéri, il a dit les points. Il est capable de protéger nous aujourd'hui. Et si pas malheur, nous sommes capables d'atteindre. Il est capable de guérir nous tous. Il est capable de délivrer nous. Ça, c'est la foi. Nous besoin croire que même Jésus qui était là dans le temps qui était un lèpre là, c'est même Jésus ça qui l'a aujourd'hui. Et c'est lui-même qui est là éternellement. So nous avons besoin de la foi en Jésus-Christ. Il t'a fait déjà. Il t'a fait la mort. Suspendre poser question. Là, les Bibles lisent. Chanter des hymnes. Regardez qui ça que bon Dieu t'a fait dans le temps passé. Ça est capable de renforcer foi ou est capable de prendre courage. Ou est capable de rester calme au milieu de la tempête. Dernière observation que nous faisons, c'est que nous voyons que les 10 sont allés, les 10 sont guéris, mais c'est un seul qui t'est tourné. Il est venu dire merci. Il faut toujours dire merci. Il faut toujours bailler gloire à Dieu. Parce que moi-même avec vous, nous ne méritons pas rien. Nous ne méritons rien. Ce n'est pas la grâce. C'est grâce que mon Dieu fait, non. Nous ne méritons rien. Chaque occasion, dans chaque circonstance, bonne ou mauvaise, nous devons bali gloire. Nous devons dire merci. Les fonds bagaille pour nous, il ne faut nous pas oublier ça. Parce que les que remercier le Seigneur, il est moins dit, c'est porte qu'on ouvre pour l'autre bénédiction encore. Il ne faut pas oublier de dire merci. Dis merci l'un à l'autre, moi-même avec vous. Et dis merci à Dieu. Dans l'occasion, ça, vous avez une pile circonstance côté pour dire merci. Comme vous, hier, je n'ai pas parlé dans le téléphone comme ça. Vous voyez les gens qui appellent. Vous demandez comment m'y est. Je vais communiquer à tout le monde. Je fais de même pour pasteur à nous. Les gens qui pensent à nous, ce monde ça, je dis nous un grand merci. Et pasteur à nous remercie nous tous. Je vais demander pour nous ne pas lâcher. Je vais demander pour nous qu'on soit ferme. Pour nous veiller l'un sur l'autre. Pour nous poser des actes de générosité. Pour nous poser des actes de compassion. Parce que le moment à vivre là, il m'a dit ça. Jésus, capable de faire encore. Il a guéri tout genre de maladie. Il a délivré nous dans n'importe quelle circonstance. Nous capables de trouver nous. Songez bien. Il dit dans la parole, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Moi-même avec vous, je nous bâille bon Dieu gloire. On nous bâille bon Dieu gloire. On nous continue à bâiller gloire. Dans toutes circonstances.
Alors, c'est mieux. Je voulais répéter sujet à pour matin. Jésus qu'a fait encore. Faire confiance. Faire confiance. Et puis nous étions prêts, l'un avec l'autre. Nous avons traversé le moment. Nous avons réuni, nous avons réuni ensemble. Pour nous louer. Pour nous bâler gloire. Parce qu'il t'a délivré. Amen. Que la paix, que la grâce de Dieu, que la sécurité divine soit avec vous. Amen. Père Saint, Dieu de l'air tout-puissant, nous remercions pour l'opportunité de s'accorder à quoi de nous matin. Nous remercions pour la parole qui nous nourriture pour nous. Non. Merci pour j'en parler avec peuple, Seigneur. Merci pour ce bon encouragement. Merci pour ces bonnes convictions. Nous demandons au Père que nous sommes capables de mettre en pratique, Seigneur. Et comme ça, nous sommes capables de mener une bonne vie, quelles que soient les circonstances qui entourent nous. Nous sommes capables de sentir nous safe dans mes Seigneurs. Comme ça, nous prions dans notre petit tout Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Nous remercions le Seigneur qui dévoile les paroles pour nous matin, hein, pour faire nous connaître que Jésus a fait l'encore. Yes. On pas besoin de décourager. Il te fait déjà. Il a fait l'encore parce qu'il va changer. C'est ça que fait nous pas qu'à prendre un cas même genre au monde là. Nous pas qu'à désespérer. On met espoir dans Jésus. On va pas le redire ça parce que c'est que tu dis, mais maman, nous mettez en pratique. Pendant que nous allons terminer, je vais vous retourner la carotte. Un campé, qui est me formé. Nous allons terminer avec un cantique qui dit Jésus, seule unique espérance. C'est créole chant d'espérance. C'est lui seul qui a assurance. Il y a un verset qui dit comme ça, aucune autre place pas à cacher. Vous qui choisissez leur direction, souffrir, périr sans rémission. Ah, les tout bagages sombrés. Moi, je vais nous garder Jésus pour nous camper. Même les lambeaux d'avenir, pour nous-mêmes, ce n'est pas la fin du monde. Parce que nous avons espérance. On va chanter Jésus, c'est l'unique espérance. Campez avant nous. Chantez ensemble avec nous pendant que c'est Alexandra a dirigé nous ensemble juste avant que nous prions pour terminer avec ce service matin. Yeah. Yeah.
certain, le Seigneur a touché cœur au matin, hein? Pas fait résistance. Accepte-t-il comme sauveur, comme maître, mettez confiance en lui. Et ce dépend de décision, de votre décision, on te prend. Nous t'aimons, mon frère, bon côté, pour nous continuer à encourager. On a bon téléphone, on est capable de briller dans le téléphone, ça. On est capable de continuer à communier, communiquer ensemble. 561-424-6102. Nous sommes contents que nous sommes capables de connaître. Nous sommes un frère dans la foi, nous sommes une soeur dans la foi. Et je termine avec ça comme dit. Pas gaspiller les ressources qu'on gagne. Donc, par contre, pour combien de temps ça va durer? Mais pour ça, on gagne, agir avec sagesse pour ne pas gaspiller les. Si quelqu'un qui a beaucoup de gens qui ont besoin, l'oreille des mondes, ce n'est pas gaspiller ou gaspiller. Au contraire, c'est plutôt prêter à bon Dieu. À nous l'ouvrir que nous à tout le monde. Dans un moment difficile, c'est l'heure pour nous mettre et faire nous ensemble. Et là, nous faisons ça parce que la Bible dit côté monde met tête ensemble, c'est là, bon Dieu, vous voyez, bénédiction. À nous rester ferme dans mes bon Dieu, confiance non fixée sous lui, les papillons m'abandonnent. À nous prier, papa, nous remercier pour tant ça vous permet que nous passions ensemble. Merci pour la technologie qui est nos moyens, je dis, même le nous pas non seul salle, mais nous avons communier ensemble. Bénis tout le monde qui a participé dans ce service, qui est pour participer. Permettre nous rester ensemble avec vous et avec vous l'autre. Bénis la journée. Nous ne savons pas qui ça joue ou à côté. Mais ce n'est pas pour nous rassurer. Nous sommes avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Merci. Bénis-nous. Nous prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. L'amour, papa, puissance, Saint-Esprit, obéissance, petite, là. Papa, porter la paix, porter la joie, la guérison dans chaque cœur de maintenant et pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.